Bonjour, frère Maxime, comment nous? C'est JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor lundi, votre chef à la maison qui rentre la canot. Comment nous? Et moi, dis-nous merci pour bouche à l'oreille nous fait pour moi. Merci pour confiance nous fait moi. Moi, dis-nous merci pour dévouement nous, parce que moi, senti nous embarquer ensemble avec nous, pas réaliser que moi fou, parce que moi, demandé pour dans 5-6 ans pour nous gagner demi-million abonnés sous chaîne YouTube. Là. Moi, dis-nous merci encore. Je dis, je vais préparer pour nous un petit gâteau de pommes de terre, ok? Ça y est, le pâté philosophe là. Et lui-même, je vais le faire, pâté philosophe, je vais le faire pour nous. Tout de suite, là, pour commencer, je vais commencer avec viande, avec mi-pain. Avec dit mi-pain, je prends quelques, je prends au moins 6 tranches de pain, je vais mettre dans de l'eau trempée et puis je vais craser qu'on a mis là-dedans. Je vais préparer une petite viande ça, pour nous-mêmes avec on viande en Haïti, là, ok? Moi, mettez 2 cuillères de l'ail là-dedans. Moi, mettez thym avec persil beaucoup. Hein? Après ça, moi, mettez oignons, carottes et puis poireaux. Quand on est là, moi, je vais le brasser. Beaucoup de différents balais. Quand on a fini de brasser, il a bien brassé. Je sens le pain bien aller partout. Je mettais un œuf entier là-dedans. Œuf entier à mettre là-dedans, c'est pour que la viande soit ferme par rapport au pain que là-dedans. Okay? Et puis, quand on a là, je mettais un petit jus de tomate. Je mettais là, un petit tomate. Je ne mets pas de tomate. Et puis, quand on a là, je mettais sel là-dedans. Je mettais poivre. M'a rebrassé la nouveau encore, qu'on a la plus facile pour moi. Ok. Qu'on y a là, moi pour le mettre différents balles, qu'on a pour la cuite. Et puis de temps en temps, m'a vu brasser. Moi pas mettre couverture sous lui parce qu'il ne pas voulu, il y a de l'eau qui tombe là-dedans. Parce que l'on met couverture là, il y a une condensation et puis de l'eau qui tombe là-dedans, m'a quitté ouvert. Qu'on a gommé, m'a dit nous, n'a pas remarqué, m'a mis acidité là-dedans. Avec dit, je vais mettre soit vinaigre, je vais mettre rien. Ou même sous vlog, je vais mettre, ok? Moi-même, je ne vais pas mettre. D'accord? Gomaga est très important, je vais dire, nous, bam, dis nous. Si toutefois, nous-mêmes, nous avons mis un petit piment bouc là-dedans, évitez pas de mettre au début, hein? Parce que même si je vais mettre là, même à quitter le petit genre cuit, fin molle déjà, pour ne pas brasser toute la journée, brasser beaucoup, pour le piment pas piquer, ben, péter là-dedans, pour le piquer, ok? Parce que, talè la nou wale wè, lè preske kuit normal, avè di mpap bezè nan goumen avèl pou mbrase, lè sa mat met piman bouk la dada. Ok? Ok. La se yon pom de terre mwen mette bouyi, mwen mette l bouyi, jam de montre nou bouyi pom de terre la, sa vè di toujou komanse avèk, mette tout pom de terre nan lò fwad, epi kite l bouyi tranquilman. Kon a la sa fè preske on 20 de minute la bouyi la, kon a la mbale ni gade pou mwen sil kuit, epi nou wale wè mbale fè pure avèl. Dipoko kuit, ok? Kon la la, nou remake l komanse, li komanse mol la, ok? Bon, di fe a mette la 3, kon la pwiske l komanse mol, sa ve di li preske kuit, mpa gen anpil brase mwal franko, kon la la mwen mette piment bouk la la dan, ok? Paske se sepe mwen parfum ke mbezon bay pou mwen, ok? Pa mette di fe a 3 fwa pase sinon la boule vyen nan pa an ba, ok? La m kite la pou l kuit tranquilman. Kon nan la m wale gade pom de ter la, eske li kuit. Kon nan pom de ter a fin kuit, kon nan m wale fe pure pom de ter, ok? Avek patat man gen la. Kon nan un fwa kem getan bien aranje pom de ter nan malakse la. Mwen mette... Mwen gen yon tas de lè mèlanje avèk krem. Mwen mette demi tas, ok? Paske mwen bakon si patat la absorbe boku. Mwen mette sel. E kon yon mbal brase. Ok. Kon a la li getan pre la, kon a sel sa mbal gade la, mbal gade on bagay. De mette demi tas, ma pe ni sepleman verifiye, eske
Et l'embral tan pomme de terre là, qui ça veut dire? Donc là, il est correct là. Ok? Je ne vais pas mettre plus encore. Ça veut dire demi-tasse là, c'était assez. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas une pomme de terre qui absorbe beaucoup de lait. Normalement, avec 1,5 kg pomme de terre comme ça, normalement, une tasse est supposée absorber bien là-dedans. Ok? On a l'embral mettre dans le bol. Waouh! Regarde ça. Une très belle pomme de terre. Ok? Très très belle. Et puis bon aussi, hein. Qu'on a la ma petite là, ma mettez là à côté. Température pièce, hein. Pas besoin trop chaud, pas besoin trop froid non plus. Ma petite de viande là qu'on y a. Ok? Mais viande là, là, licence est prêt, ok? Pas de sens, sinon c'est prêt. Qu'on a là, ça va faire, on va aller juste mettre le long bol pour mal quitter le point de température pièce aussi. Avec dit pour nos petits gens refroidis, ok? Qu'on a mes piments là-dedans, il était tout entier, il pas crasé, il pas rien parce que. Je ne vais pas te mettre pour me brasser tout le temps avec. OK? Qu'on a la pomme de terre fine cuite, bien fait, purée de pomme de terre, et puis viande moulée en cuite aussi. Qu'on a là, je vais le monter. Qu'on a là, pendant que je monte, gâteau de pépé patate là pour nous. Ou bien nous, on dit pas de philosophe, j'en ouvre là. On a bon tout dit, nous, tous compatriotes, nous, qui vivons ailleurs. Au Canada, ici, là, au Québec, même au Canada, même ça, là, viande là, on simplement mettre des petits maillots en grain là-dedans, en boîte, ou bien avec crème de maillot aussi, et puis le reste procédure était pareil, il y aurait des ça, pâté chinois ici. Nous-mêmes, nous aurions le gâteau pomme de terre. Ok, une fois qu'il bien mis les premières couches, mettez couche pomme de terre qu'on a la mettez viande là-dedans. Viande là, pour me refroidir, moi nettoyer viande là, ça veut dire me tirer bout de piment et puis me tirer petit persil autour. OK? On peut voir que viande n'a pas grainé. Hein? La seule raison qui fait viande n'a pas grainé, c'est pain avec zure. C'est seulement ça qui fait le pas grainer. Ouais, viande en ferme. Et voilà. On a là, on va mettre une autre couche de pommes de terre là-dessus. On a là, on va mettre l'autre couche de pommes de terre. Moi, je sais pas voir où ça va le faire. On va bien juste déposer. Yo. Est-ce que nous réaliser comment pommes de terre ferme, hein? Ok, l'infini bien passé comme ça. Moi, bien descendre, pas ta souviens. Moi, pensez m'enregistrer, mais t'enregistrer. Bon, désolé. Merci pour me déterminer de déposer Jean notre métal là et puis me bien arranger là-dessus. Ok, qu'on a là, on va mettre fromage là-dessus. Qu'on a mettre fromage râpé dessus. On mettez fromage là pour posséder. Ok, il n'est pas obligé, c'est tête de mort ou peu importe. N'importe quel fromage ou rien, c'est lui même on mettez. Parfait. Et puis qu'on a là, m'a bien arrangé le soudi. Et puis m'a mis dans le four à 350, 35 minutes, ça va être prêt. Ok? On retire les. Ça veut dire, on gagne une cuisson parfaite là. Ok? Viande, il pas gagne de l'eau. Ça veut dire, il n'est pas monté sauce viande, n'a pas monté sous patata. Qu'on a là, m'a quitté le refroidir un peu. Et puis après ça, moi, pour la nouvelle. Ok? Ok, si vous regardez qu'on a là, recette là, il finit là, il pas encore fin fret, non, mais ou ka coupé, ok? Qu'on a nous pas voir comment la sortie. Waouh! C'est encore trop chaud là. Est-ce que vous voyez? Mais gâteau pomme de terre là, qui sortit comme ça là, ok? Ça veut dire là où les chalets à pleuvoir là, dans toujours les tiges chaud toujours. Dès qu'à quitter un petit peu plus encore, d'accord? Mais c'est comme ça vous faites un gâteau de pommes de terre ou bien un pâte philosophe. Merci, c'était JFL, Cuisine Créole. J'ai fait dans le